Dans cette vidéo, nous allons voir comment détourer un objet rapidement et facilement sur Photoshop. Pour ce faire, rendez-vous dans le logiciel. J'aimerais détourer cet ordinateur. Donc pour ce faire, je clique sur le quatrième outil. Et à l'aide d'un clic gauche prolongé, je sélectionne Outils Sélection Rapide. Un petit cercle va apparaître. Et à l'aide d'un clic gauche prolongé, il faudra sélectionner tout ce que vous voulez garder sur votre image. Donc pour ma part, l'ordinateur. Donc on sélectionne le plus précisément possible l'ordinateur. Vous pouvez le faire grossièrement au début. Et si vous ne voyez pas tout sur ce que vous avez sélectionné, il faudra cliquer juste ici. Et vous verrez tout ce qui a été sélectionné. Vous pouvez requitter cette vue en recliquant ici. Et donc pour le faire maintenant plus précisément avec les petits recoins qui n'ont pas encore été sélectionnés, avec le clavier vous faites CTRL plus pour zoomer, puis vous vous déplacez avec la navigation. Vous pouvez également baisser l'épaisseur du cercle, juste ici, puis en baissant l'épaisseur. Puis vous pouvez maintenant sélectionner les petits détails. Vous pouvez voir que moi, certaines choses se sont sélectionnées alors que je ne le souhaitais pas. Donc pour ce faire, je clique juste ici, puis je sélectionne tout ce que je ne veux pas garder. Et je peux retourner ici. Puis une fois que tout votre objet est sélectionné, vous pouvez faire CTRL- pour dézoomer. Puis pour regarder votre sélection, il suffira d'appuyer ici, en bas à droite. Et vous pouvez voir qu'il restera seulement votre ordinateur. Moi, vous pouvez voir que c'est assez mal détouré, mais avec la patience, vous pouvez faire un truc de très bien. Et si vous voulez savoir comment supprimer un objet d'une image sur Photoshop, nous avons déjà fait une vidéo dessus et le lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.